Monseigneur, lors de l'homélie, ce matin, vous nous avez parlé de la mission à travers quatre verbes pour décliner ce qu'est la mission aujourd'hui. La mission commence par l'écoute, le verbe écouter. Ça veut dire quoi, Monseigneur ? Je crois que l'écoute, c'est l'ouverture. L'ouverture pour l'Évangile. Et donc, l'Évangile ne vient pas de moi. Je ne suis pas un propagandiste ou quelque chose comme ça. Je suis un croyant qui a reçu la bonne nouvelle. Et donc, c'est cette nouvelle que je dois d'abord écouter et réécouter. Et aujourd'hui, l'Évangile parlait de Nicodème, qui lui-même écoutait le Christ. Même la nuit, il a des rencontres avec lui. Et là, il écoute une sorte d'évangile en microchip, très très court, une phrase. Dieu a envoyé son Fils, non pour juger, mais pour sauver. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné le Christ. Et voilà, c'est cette parole que je dois écouter, avec beaucoup d'attention. Écouter et écouter de nouveau les paroles de l'Évangile, les laisser vraiment entrer dans mon cœur, voir que c'est moi-même qui est impliqué dans tous ces récits. C'est moi Nicodème, c'est moi celui qui doit essayer de comprendre le Christ et parfois qui refuse ou qui a peur, mais l'Évangile doit toucher nos vies et je dois donc l'écouter. Un deuxième verbe, c'est pratiquer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vivre, pratiquer? Oui, je voulais, dans la petite homélie, je voulais éviter que c'est seulement quelque chose de cérébral, quelque chose ici de mes oreilles. Quand j'ai vraiment laissé pénétrer la parole, alors je le pratique. C'est quelque chose de très normal. Quand quelqu'un m'aime, alors il y a mon corps, il y a mon cœur, il y a ma vie qui est impliquée. Et donc, pour ce congrès des missions, après l'écoute, il y a l'action. Et c'est une action qui est vraiment connectée avec cet évangile. Donc, pas tout le temps parler, mais vivre. Donc, vivre dans la joie, dans la confiance, en sachant que le Christ est de nos côtés. Et vivre dans le partage, le verbe partager, c'est le troisième verbe. Oui, en effet, c'était pour faciliter les choses. Il faut écouter, il faut pratiquer, mais il faut aussi partager. Et ça, j'aime beaucoup une image de Saint Bernard. Il dit, ne soyons pas comme des petits tuyaux en français, tuyaux, excuse-moi. Un tuyau, dit-il, quand le catéchiste est un tuyau, quand la mission est comme un tuyau, alors je reçois une petite parole de l'Évangile, hop, je me hâte, je me dépêche pour le porter aux autres. C'est très fatigant, parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de situations où je veux être présent, où je veux être un bon catéchiste, un bon évêque, un bon chrétien, et je cours par-ci, par-là, et je reste épuisé. Je suis seulement un tuyau. Non, dit-il, faut pas être un... Il écrivait ça au pape, figurez-vous. Au pape de son temps, il a écrit des magnifiques lettres. Il dit, on est beaucoup trop un tuyau. Soyons autre chose, soyons un bassin. Un bassin qui reçoit l'eau. Il reçoit l'eau, et c'est bien le cas de le dire maintenant. Il y a les pluies, il y a même l'inondation. Au point spirituel, c'est magnifique, parce que finalement, le bassin est rempli et automatiquement, il va partager ses eaux aux alentours. Ça va de soi. Donc, disons maintenant tout simplement, quand mon cœur est rempli de la présence du Christ, quand je suis bien dans ma peau, quand je suis à l'aise, quand je fais confiance, alors ma vie telle qu'elle est, parmi mes frères et sœurs, dans mon travail, dans ma vie de famille, dans ma propre vie d'évêque, ça sera plutôt automatique que, et je dois prier pour que ça serait vraiment le cas, mais c'est une image magnifique, en place de courir partout avec cette soi-disant bonne nouvelle, c'est beaucoup mieux d'être réceptif et ça va se propager automatiquement. C'est finalement, comme disait le Christ, on va reconnaître la bonté de cet arbre par les fruits qu'il donne.
Et puis un dernier verbe, c'est prier. On pourrait croire que c'est antinomique, il y a la mission à l'extérieur, la prière à l'intérieur, mais non, vous dites que la prière, ça fait partie oui. pleinement de la mission. Oui, c'est ce que je voulais dire. On a entendu, il faut écouter, il faut pratiquer, il faut partager, mais il faut prier, parce que la prière fait vraiment partie intégrante de notre mission. Je voulais dire, surtout dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est souvent délicat de parler du Christ. Il y a plein de malentendus. Nous vivons dans une société fortement sécularisée. Beaucoup de gens peuvent mener une vie très humaine sans être conscients de la présence de Dieu. Évidemment, Dieu est là, sinon ça ne serait pas humain ce qu'ils font. Mais ils ont une grande humanité, une grande fraternité, parfois meilleure que la nôtre. Mais donc, pour eux, Dieu, c'est plein de malentendus, ce sont des paroles parfois difficiles à comprendre pour eux. Parfois, ils sont blessés par l'Église, par moi-même. Donc, faisons attention de parler trop de Jésus avec n'importe quel frère et sœur. Parfois, même si ça fait du mal, il faut se taire. On ne peut pas parler de Jésus, mais on peut parler avec Jésus. Donc, en place de forcément, et c'est très fatigant d'ailleurs, en place de forcément vouloir à tout prix parler de Jésus avec nos frères et sœurs, commençons par parler de nos frères et sœurs avec Jésus. Et ça va changer la mission. Elle sera beaucoup plus délicate, beaucoup plus paisible et beaucoup plus enracinée dans le message même. Donc, c'est un peu ce que dit le livre des Proverbes, il y a un temps pour tout, un temps pour parler, un temps pour se taire. Je ne veux pas dire que ces trois journées pour la mission sont à côté de la plaque. Il faut réfléchir sur la mission. Mais c'est un signe heureux qu'on a aussi des moments de prière ici. C'est essentiel. La prière va vraiment me forcer à bien recevoir d'abord, à me laisser former par l'Évangile et par le Christ. Je vais vraiment implorer, implorer le Christ de me donner les bonnes actions, les bonnes images, et c'est fantastique. À vrai dire, une toute petite histoire pour ce quatrième verbe. Quand j'étais beaucoup plus jeune, mon évêque me demandait de m'occuper de la pastorale des jeunes. Donc, je faisais des actions, évidemment, avec des équipes. Et je faisais aussi un peu de recherche. Je lisais des choses. Et je rappelle très bien que je lisais un de ces rares textes qu'il avait consacré à ce thème-là. Un grand professeur de Louvain, Antoine Vergaute, un grand théologien, psychologue, et psychanalyste et philosophe. Et il avait une fois quand même écrit quelque chose sur le partage de l'Évangile pour les jeunes. Alors, il l'écrivait là-dedans, et c'était quelqu'un de quand même assez rationnel, et un théologue de classe. Mais donc, figurez-vous, il avait écrit ça dans les années 80. Il disait, pour moi, la pastorale des jeunes, c'est la prière. Il faut prier. Mais je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'étais un peu déçu, je dois le dire. Je disais, mais pourquoi est-ce qu'il veut se refermer dans la prière? Et puis, je continuais la lecture et tout son raisonnement. Et je crois qu'il avait tout à fait raison. Il disait, mais faites attention, cet activisme peut devenir une sorte de reconquista pour aller vers le passé, entrer, ce qui est impossible, dans une société qui n'existe plus, où l'Église a beaucoup plus d'influence que maintenant. Et donc lui, il m'ouvrait les yeux pour dire, oui, une véritable mission, une pastorale des jeunes surtout, c'est aussi prier. Prier pour eux, afin que leur cœur soit ouvert, afin qu'ils peuvent reconnaître le Christ qui est là, évidemment. Mais il faut le reconnaître. Et moi aussi, je dois le reconnaître dans leur vie. Et donc, ça demande vraiment la prière et la capacité de discerner.
Monseigneur Hartz. Hartelijk bedankt. En eet smakelijk. Dank je wel. Merci beaucoup. Voilà.